Salut, salut la grande famille, c'est encore Maro Sibéjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo encore. Il y a une dame qui est venue remercier un monsieur, j'ai fait sa vidéo. Le monsieur qui est tombé malade où il était au boulot, c'était un cuisinier, un baoulé. Qui était cuisinier, qui est tombé. J'ai fait une vidéo même ici où les gens m'ont appelé pour demander son numéro et j'ai donné son numéro. Ce monsieur, quand j'ai fait sa vidéo, il y a des gens qui sont rentrés en contact avec lui. Moi, mais j'étais heureux. Juste aujourd'hui, dans le gouvernement, il y a une dame qui a eu vraiment le cœur sensible. Elle est venue le voir. Voilà, elle est venue le voir. Or, ce monsieur, lui, il a décidé, après cette maladie, il a décidé de griller parce qu'il ne peut pas rester à la maison. Il a décidé de faire des galettes. C'est ce que nous on appelle communément les galettes. Voilà. Il a décidé de faire des galettes, des beaux photos avec sa femme. Et aujourd'hui, il est devenu célèbre, c'est ça. Donc, tout le monde parle de lui. Et dans le gouvernement, les gens viennent l'aider. Même souvent, les gars m'appellent aussi. Je donne son numéro et les gars rentrent en contact avec lui pour l'aider. Je suis très heureux. Les Ivoiriens, on ne laisse pas nos frères comme cela. La famille, cette femme qui a décidé d'aider ce couple-là, elle-même est venue en chair en os et elle a donné une enveloppe et elle a donné la caisse où on peut mettre les galettes là-dedans. Je suis très heureux. Je suis vraiment content que cette mère s'est déplacée. Une maman qui s'est déplacée pour venir dire merci à ce monsieur. Parce que après avec la maladie, il n'a pas baissé les bras. On dit n'importe quel genre de boulot, femme comme garçon, on peut le faire ensemble. Ne dis pas que oui, ça c'est galette ou c'est attiéké. Garçon ne peut pas faire ça. Non. Nous tous, on est mélangés. Il n'y a pas sous-métier. Nous tous, on doit chercher à avoir de l'argent. On doit chercher à nourrir nos familles. Voici la vidéo de cette dame qui s'est déplacée pour venir rendre visite à ce couple qui est en train de griller des galettes. Voici la vidéo. Il y a tellement de bruit dedans, mais prenez vos temps. Vous allez mieux écouter, vous allez regarder. Le geste que cette dame-là fait, vraiment, ça m'a touché. Voici la vidéo. C'est Côte d'Ivoire, c'est le sort. Pardonnez. Gouvernement 20 ans. Alors, c'est 20 ans. Je
Je
Dieu a fait.
Non, Dieu est bon. Bref, la famille, vous-même, vous avez vu la vidéo. Cette maman, cette mère remplie d'amour qui a décidé d'aller croiser ce monsieur qui vend des beignets avec sa femme. Le gars vend des beignets en couple. Voici aujourd'hui les vies en train de changer au fur et à mesure. Moi, j'ai fait ma part de faire les promotions, de montrer sa vie. Mais aujourd'hui, tout est en train de bien se passer. Je remercie le bon Dieu. C'est ça, on dit, dans la vie, on ne sait jamais. Tu peux faire quelque chose. Ceux qui ont des canaux où le gars peut te booster, où le gars peut faire tes pubs, Dieu peut passer par eux et ils vont faire ta pub et on ne sait jamais. Et il y a des gens même qui sont remplis de bon cœur, le gars peut venir t'aider. Le monsieur, ce n'est pas sa première fois de gagner ses dons comme ça. Il y a des gens qui viennent chez lui à chaque fois. Il y a des gens même qui m'appellent en privé pour dire « Ah mon frère, mon petit, on veut rentrer en contact avec ce monsieur, donne-nous son numéro. » Et je donne, et je dis si vous voulez appeler, confirmez d'abord, parce qu'avant de faire le dépôt, appelez-le, vous allez lui poser des questions. Si c'est vraiment lui, parce que de nos jours maintenant, les gens ont fini à échanger des numéros. Donc, je remercie ces gens, tu penses à lui, c'est ça on veut. Dans nos belles Côte d'Ivoire, c'est ça on veut. Les hommes qui se battent, des hommes qui ne trient pas de métier. Aujourd'hui, voici sa vie en train de changer. Mais s'il avait eu la honte, pour dire, cette honte-là va faire que je ne vais pas travailler. Je ne vais pas vendre des beignets dans la rue avec ma femme. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait avoir ce succès-là? Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir des gens qui vont venir, qui viendront à son aide? Non. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, mon fils, fais ça, tu vas voir. Aujourd'hui, il gagne sa vie avec sa femme tranquillement, tranquille. Il a vu qui? Personne. Ceux qui l'ont vu sur les réseaux sociaux, c'est eux qui vont rentrer en contact avec lui et venir en aide à lui. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas des gens qui vont rester à la maison pour dire, oh, gouvernement là même, les gars ne veulent pas nous donner travail. Gouvernement là, ils sont ceci, ils sont cela. Lui n'a pas compté sur le gouvernement. Lui-même, il travaille. Il est en train de faire ses petites choses. S'il veut payer, actuellement là, ce qu'il est en train de faire là, est-ce que protecteur des maisons peut dire, eh, je vais te chasser? Non. Il gagne son petit pain. Il enlève là pour mettre son enfant à l'école. Il enlève là encore pour faire ses petits besoins. C'est joli à voir. C'est bien. C'est ça qu'on veut. C'est ça, on veut des hommes
honnêtes, des hommes dignes. Faut pas, tu vas dire non, que celui, c'est la femme. Le boulot, ça, griller, baigner là. C'est pas la femme seulement que tu peux faire. On voit des hommes même qui font ça. Mais aujourd'hui, si Dieu dit non, c'est ta grâce d'être connu. Et aussi pour que les gens puissent t'aider, c'est la grâce. Sinon, je connais des hommes aussi qui font la même chose. Même d'autres même mettent un panier d'arachide, mais si les têtes, eux, se baladent avec ça. Mais ceux comme cela, moi, je leur dis merci. Parce que vous donnez la volonté, vous donnez encore la capacité, vous donnez quelque chose. Au monde, vous montrez au monde entier que non, nous les hommes aussi, on peut travailler. Ou la femme travaille, nous on peut aller. Les petits trucs que la femme fait, nous aussi on peut faire. Pareil aussi comme la femme. Donc on doit s'entraider, on doit se soutenir, on doit beaucoup faire beaucoup de choses pour que l'Afrique puisse avancer. Parce que si on dit, c'est la femme, boulot ça c'est pour la femme, est-ce que l'Afrique peut pas avancer? En Europe là-bas, là, boulot, c'est boulot. Boulot des hommes, tu vois la femme est dedans. Boulot des femmes, tu vois l'homme est dedans. Donc tout est mêlé, tout est confondu. Donc nous aussi, en Afrique ici, on doit mettre ce truc-là en place. Ce système-là, on doit mettre ça en place pour que tout le monde, tous, on puisse travailler ensemble. Donc la famille, je vais vous laisser. Voilà, c'était pour vous montrer la vidéo là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, oui. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et si vous avez des vidéos aussi, vraiment des vidéos où je peux vraiment décortiquer. Excusez-moi, quelque chose est rentré dans mon œil. Oh, merde. Vous pouvez m'envoyer des vidéos aussi, je peux décortiquer. Là, ça peut aussi avancer aussi le boulot. Parce que n'oubliez pas aussi de partager. Il y a tellement de mensonges, tellement de menteurs sur les réseaux sociaux. Donc, on doit faire très attention. Quand on écoute les vidéos, asseyons-nous et écoutons très bien avant de prendre des choses sans même après, ça va nous mettre en arrière. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao.